Ou bien tes oreilles, camarade, assieds-toi, il est temps de se parler. Écoute ce que m'a dit un ami, écoute bien, tu en seras surpris. Je lui parlais de notre idéal, de la lutte pour le socialisme, du vrai parti prolétarien qui unirait les ouvriers. Mais il m'a répondu, comment veux-tu unir mes ouvriers si vous n'êtes même pas unis vous-même, camarades? Si vous n'êtes même pas unis vous-même, camarades? On ne peut s'unir, je lui dis, que sur la base de principes clairs. Faut être patient, ça prend du temps. Faire l'unité des communistes, c'est alors que je vis dans ses yeux la volonté d'un homme qui se bat de son âme contre les bourgeois, d'une direction prolétarienne. Ouais, il m'a répondu, trop de cuisiniers gâteraient la sauce, mais c'est pas une raison pour faire retarder les choses. Mais c'est pas une raison pour faire retarder les choses. Il faut un plan, une méthode pour arriver au but. C'est pour parler d'unité, où sont les gestes pour le prouver? Reviens des yeux, camarades, et vois la souffrance de ton peuple. La désunion des communistes est un frein pour notre délivrance. Oui, allons de l'avant, finissons dans de l'esprit de clocher. Notre unité, c'est la clé de la révolution. Notre unité, c'est la clé de la révolution.